Clarisse. Oui, la Voice. Notre belle émission qui va révolutionner l'histoire de la télévision. Oui, ah bah oui, alors on est dans l'humanité. Non, tu vois, sur les défunts, là. DDRA et PDPP. Souris. Ça va, la Voice? Bah écoutez, ça va pas mal du tout. Bon. Et vous-même? Bah écoute, ça va très bien. On parlait du dernier film qu'on a vu, voilà. En fait, Isabelle, ça fait 6 mois qu'elle n'est pas allée au cinéma, non? Non, mais je te disais que j'étais voir un film à Londres, justement. Mais c'était quoi, alors? Le dernier Disney, là. Ah, oui, un film difficile à comprendre. Non, justement. Mais non, avec... Non, tu m'as dit que tu parlais pas anglais. Mais oui. Alors, comment t'as fait? C'est pour ça que le titre, là, je l'ai pas. Alors, les gens ont mis le titre. Voilà. Maman Yaourt? Mais c'est avec... Avec qui? Ça me reviendra plus tard. D'accord, ok. Mais par contre, tu es licencié en espagnol, tu as une licence espagnole. Oui. Donc tu peux me parler couramment espagnol, vas-y. Si, yo hablo espagnol et... Bah, je sais pas, parle-moi en espagnol. Que estoy muy contenta de estar contigo y que paso una agradable jornada. Alors, est-ce que tu peux traduire, s'il te plaît? Que je suis très contente d'être avec toi et que je passe une très bonne journée. Ça m'étonne pas. Voilà. Et bien justement, Isabelle. Oui. On ne te le demandera pas en espagnol, oui. Mais va donc au confessionnal, vas-y. Où tu vas nous raconter ta journée. Oui, j'y vais. Le confessionnal d'Isabelle. Va te confesser, Isabelle. Jackie, rappelez-nous, peut-être nous sommes pour nos nouveaux amis qui nous rejoindraient. Mais ils sont là depuis 8h du matin. Oh non, pas tous. Certains viennent juste de rentrer du travail. Ah, c'est exact. C'est une remarque judicieuse. Il est 17h30, c'est ça? Il y en a qui commencent tôt, donc ils n'ont pas pu vous voir, puis comme ça ils rentrent plus tôt, et maintenant ils vous regardent. Eh bien, je passe une semaine avec Miss JJDA, qui s'appelle Isabelle, on peut le dire maintenant qu'elle s'appelle Isabelle, dans un hôtel de charme et de luxe au bord du périphérique parisien. Et nous sommes là 24 heures sur 24, donc il se passe plein de choses imprévues, totalement imprévues, il n'y a rien de prévu d'ailleurs. Pour l'instant c'est sympa, on est là depuis 8h du matin, donc restez avec nous, il va se passer des choses. Voilà. Alors Isabelle? Oui. Ça va, tu es bien dans le confessionnal? Oui, ça y est, je suis installée. Nous t'écoutons. Sur ma journée? Absolument. Bon, faut que je me confesse là, parce que là, ça va pas du tout, du tout. Il est un peu lourd là, Jackie. Hein. Il se colle à moi là, comme ça. Il croit que, je sais pas, qu'il peut me draguer alors qu'il pourrait être mon père, quoi. Enfin, je sais pas. Il danse, il se colle. Je vais quelque part, il se met à côté de moi. Non. Je crois que je veux pas lui laisser des faux espoirs, hein. Moi je suis amoureuse et... Oui, non, faut mais pas que je lui laisse des faux espoirs, je suis désolée. Tu es amoureuse de Jackie? Non, justement, je suis amoureuse de mon copain. Donc voilà, donc il est un peu lourd. Bon, j'essaie d'être gentille, sympathique, mais bon, voilà quoi. On va retourner avec le sourire. Voilà. Très bien. Merci. À plus tard. Monsieur Jackie, ah, je l'ai rien entendu, c'est Isabelle. Tour d'aller au confessionnal. Oui, j'y vais de ce pas. Pour nous raconter votre journée. Oui. Également, peut-être, ça y est, vous êtes dans le confessionnal. Oui, je ferme la porte, vous me dites. Voilà. Allô, monsieur Jackie, tout à l'heure, vous nous aviez confié Oui. Que visiblement, Isabelle était en train de tomber amoureuse de vous. Bah écoutez, la Voice, oui, j'ai un charme irrésistible sur moi, parce que je pensais pas que ça allait être si rapide, quoi, parce que ça fait à peine 12 heures qu'on est ensemble, et déjà je m'allonge sur un lit, elle se met à côté de moi, elle me colle, elle me sourit, il y a des regards qui trompent pas, et bon, je sais pas, quoi, elle est en train vraiment de tomber amoureuse de moi, et elle me trouve très drôle, très beau, à chacune de mes réflexions elle rit aux larmes, elle trouve que j'ai beaucoup d'humour, et voilà, ça, c'est pas que ça m'ennuie, mais bon, est-ce que c'est pas mieux qu'on reste copains, je sais pas, enfin je trouve ça un peu rapide, quoi, je suis pas le genre à quand même ça à coucher le premier soir, donc je suis un peu inquiet, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, la Voice? Je vous comprends tout à fait, monsieur Jackie. Voilà, c'est ça, je sais pas, j'espère que ça... Non plus, je sais pas, avec une fille... Je sais que j'ai un charisme énorme, je pensais pas que ça allait être aussi rapide avec Isabelle, quoi, qu'elle s'accroche à moi, comme ça. En même temps, elle est mignonne, quoi, donc c'est ce qui me fait hésiter. Je comprends bien. Voilà. Bon, eh bien, vous pouvez quitter le confessionnal. Merci. Et moi, pendant ce temps-là, je vais rappeler à nos amis qui, bien sûr, ils peuvent vous laisser un message, à vous, Jackie, ou à Isabelle. Oui, voilà, je me mets là, alors. Nous envoyons un petit SMS, oui. Au 635-36. Ensuite, on tape Jackie et son message, et ça coûte 35 centimes d'euros. Voilà. C'est tout? Ah ben, moi, pour le moment, oui.
Il n'y a pas l'objet. moi, je ne suis plus là. Alors, les objets, alors. Ça vous ferait plaisir que je vous en parle aussi. Bah, bien oui. sûr, mais c'est Allez. Un jeu. Alors, c'est très facile. Pour participer au jeu des objets à éliminer, vous n'avez que trois objets dans la pièce dont nous allons parler tout à l'heure. Pas la pièce, mais les objets sont à éliminer. Eh bien, il y a deux solutions. Première solution, vous avez un téléphone près de chez vous, il est posé là. Vous le prenez, vous faites le 08 92 780 777. Ou alors, et bien par SMS, vous tapez objet, enfin d'abord vous tapez 72072, ensuite vous faites objet et le numéro de l'objet que vous souhaitez éliminer. Alors, le numéro, l'objet numéro 1, c'est le doudou. Voilà, le doudou que je vous présente, le doudou d'Isabelle. L'objet numéro 2. C'est ma couette. C'est la couette de Jacques. La couette de Jacques. Je suis profileux, moi. Non, non, pas du tout. Ça l'obligera d'en venir avec un pyjama. Ce sont les chaussons, c'est très dur à dire. Les chaussons d'Isabelle. Les immondes les chaussons d'Isabelle. Mais arrête de traiter mes chaussons. Voilà. Et comme dit le proverbe, monsieur Jackie, en France, tout finit par des chaussons. Ah, c'est merveilleux. Et quels chaussons vous nous proposez, la voix? Eh bien, maintenant, je vous propose de regarder. Et bien, c'est une bonne question. Qu'est-ce que Ah, alors la voice Moi, je serais d'avis qu'on regarde entre justice et vengeance. Ah. Ben, je sais pas, entre la justice et la vengeance, qu'est-ce que t'en penses, toi? La justice. Moi, il vient pas ton fiancé, là? Non. Non, il compte pas venir? Non. Non, non. T'es sûr? Oui. Bon, d'accord, ok. Bon, entre justice et vengeance, voilà, on en parle après. Entre justice et vengeance. C'est parti. Et c'est sur IDFM, bien sûr. Bien sûr, c'est évident. Non, bien